Cette semaine, nous retrouvons notre équipe spécialiste en amour et en mariage. Docteur Coït, scientifique spécialisé dans l'amour depuis 35 ans, Docteur Timbré, sexologue depuis 12 ans, et Docteur Charlatan, psychologue spécialisé dans l'amour depuis 15 ans. Une chose est sûre, pour aider nos deux candidats à trouver l'amour, nos trois experts ont tout mis en œuvre. Depuis la création de l'émission, on a marié plus de 30 couples. La plupart sont divorcés, mais c'est déjà pas mal, non? Les scientifiques ont trouvé un couple avec une correspondance incroyable à plus de 90%. On a encore fait très fort puisqu'on a un nouveau couple à marier, figurez-vous. Ouais, non, mais on est comme ça, nous. C'est l'équipe, quoi. Il s'agit de Jonathan et de Camille. Ils sont compatibles, d'après mes calculs, hein, à 100%. Ah oui, non. On avait vu avec Charla, c'est 91,7. Allez, 90%. 91,7, c'est ça? C'est ça. 91,7, d'accord, bon. Décidez de me casser les couilles. Le premier couple qui a été sélectionné est composé de Jonathan, 30 ans, professeur de Zumba, et Camille, 18 ans, esthéticienne. Nous avons choisi pour Jonathan une femme avec un vrai métier de femme, esthéticienne. En plus, il pourra se faire masser assez souvent. Moi, je m'appelle Camille, j'ai 18 ans et je suis célib depuis 2 semaines. Mon métier, c'est l'esthéticienne. Je fais ça depuis 2 semaines. C'est mon métier de cœur. J'adore ce que je fais parce que je considère qu'une femme qui ne se maquille pas n'est pas une vraie femme. Dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon métier. J'ai ma famille, j'ai mon maquillage. La seule chose qui me manque, c'est un homme, voilà, et une épaule sur laquelle je pourrais m'asseoir. Donc je compte sur cette émission pour me trouver l'homme idéal. Je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans et je suis à la recherche de l'amour. Mon image à moi, elle est trompeuse parce que je suis méga beau gosse, je fais du sport, je suis musclé, je prends soin de mes habits, j'ai un tatou méga stylé dans le dos, ce qui fait que j'attire les grosses salopes, quoi. Et moi, c'est pas ça que je veux. Enfin, si, j'aime bien les gros culs, mais j'aime aussi les filles qui ont un gros cerveau. Ce qui fait que j'en ai marre aujourd'hui d'être seul parce que, bah voilà, faut que ça se la laisse. Faut que ça se ménage, faut que ça se repassage. Et puis pour faire l'amour, c'est pas pratique parce que faut que je demande soit à un pote, soit une meuf en boîte. Et voilà, c'est relou. Au moins quand t'es marié, bah tu le fais dès que t'en as envie. C'est pour ça que j'ai fait appel à cette émission. Faut absolument que je trouve quelqu'un. Il faut que je trouve l'amour. C'est pas compliqué. Il me faut quelqu'un. Trouvez-moi quelqu'un. Vous énervez pas, monsieur. Bah non, mais trouvez-moi quelqu'un. Car c'est aussi notre responsabilité à nous de trouver un bon mari pour. Non mais carrément chaud. Restez, on n'a pas fini. Ah putain. Bah reviens dans 30 secondes, je torche ça. Allez, go. C'est aussi notre responsabilité à nous de trouver un bon mari pour Camille. Le psychologue et le scientifique vont annoncer aux candidats qu'ils ont trouvé quelqu'un de compatible avec eux. Alors d'accord, nos deux candidats veulent se marier, mais on sait pas vraiment comment ils vont réagir à l'annonce, parce qu'ils sont pas très fut-fut là-dedans. Notre premier expert, le docteur Charlatan, part à la rencontre de Camille lui annoncer la bonne nouvelle. Camille, pas du tout, c'est au-dessus. Voilà. Bonne journée. Camille, vous savez pourquoi je suis là, hein? Oui, vous êtes de la police et vous allez m'arrêter pour le meurtre que j'ai commis. Quoi? Non. Oh non, 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 j'ai pas à faire avec ça, moi, non, non. Oh, je me suis dit, ça y est. Les menottes, mais cette fois, pas au lit. Non, non, je suis Jacques-François de Charlatan. Kiss to meet you. Je viens parce que nous avons trouvé un profil qui vous correspond parfaitement. Par rapport à quel sujet? Par rapport à l'émission. Vous allez vous marier dans 2 jours. Oh mon Dieu, non. C'est pour moi? J'ai jamais reçu de lettre. Oh. Oh mon Dieu, ça y est, ça y est. Chère Camille, nous vous convions à votre propre mariage dans 2 jours avec Jonathan. Eh oui, hein. Non mais c'est que j'attends ça depuis très longtemps, alors vous savez, pour moi, c'est beaucoup d'émotions, en fait. Allez, sérieux. Bon, on va pas chialer pendant 2 heures non plus. C'est à vous, ça. C'est au tour de notre deuxième expert, le docteur Coït, d'annoncer la bonne nouvelle à Jonathan. Bonne nouvelle, Jonathan. Pardon. C'est pas grave. Oh, pardon, c'est juste qui vous êtes, parce que j'ai eu peur. Pas de problème, je suis docteur Coït. Enchanté, c'est pour l'émission. Donc, voilà, je suis Michel Coït, et c'est moi qui suis chargé... Qu'est-ce qu'il y a, je peux de la gueule? Non. Non. Et donc, c'est moi qui suis chargé de te trouver l'amour, Jonathan. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, je crois que quelqu'un a reçu du courrier. Oh, oh trop bien. Qu'est-ce que c'est? Vite, 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 vite. Alors, analyse sanguine, test positif au VIH. Ah, pop, pop, non. Là, ça, c'est à moi, ça. Ah. Oh, y a, tiens, toi, c'est ça. Ah, merci. Non. Alors, cher Jonathan, nous avons le plaisir de vous convier à votre propre mariage avec Camille. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais me marier, ça y est. Oui, t'es content? Oh non, c'est fou. Oh, ça fait complètement fou. T'as envie de pleurer de bonheur, quoi. Oui, oui, là, t'as envie de pleurer, oui. Bah bien, moi aussi. C'est trop bien. Petit câlin. Aïe, qu'est-ce qu'il fait? Ah! Aïe, 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 aïe. C'est ma faute.
Je suis qu'une merde, putain. Là, ça fait mal. Là, ça commence à faire mal. Certes, nos deux individus sont chamboulés par la nouvelle, mais ils vont devoir l'annoncer à leurs familles respectives car ils se marient dans 2 jours. Alors, mon chéri, pourquoi tu nous as fait venir? Ça avait l'air tellement important. Bah, voilà, en fait, je vais me marier dans 2 jours. Mais attends, toi, tu vas te marier? Oui. Non, tu déconnes. Mais c'est février, quelqu'un qui veut bien de toi? Moi, ça la connaît pas, mais on va se marier ensemble en tout cas. Ah bon? Mais on s'en fout, on s'en fout de qui c'est, tu vas te marier, c'est ça le principal, c'est génial. Julien, tu comprends? Ton frère va se marier, il va s'unir avec quelqu'un qu'il aime, donc quelqu'un qu'on va aimer, qu'on va accepter. Tu vas libérer la chambre d'amis un peu, puis on va te réaménager un petit truc, ça va aller. Hey, oh, oh, hey. La main, c'est dans la tête, hein? Il est con, lui. Non, on laisse place à l'amour. Je vais te tuer, toi! Super! Jonathan a l'acceptation de sa famille. Ce sera un bonheur pour lui de savoir qu'il est soutenu. J'espère que ce sera la même chose avec Camille. C'est donc au tour de Camille d'annoncer la merveilleuse nouvelle à son père et à sa sœur. Papa, Loreba, si je vous ai fait venir ici, c'est parce que fallait que je vous annonce quelque chose d'important. Eh oh! Y'a du monde? Non mais en vrai, sérieux, faut que je vous annonce un truc hyper important, là. Écoutez-moi! Oh putain, bah c'est bon, j'éteins. Ah mais non! Ah mais putain, mais c'est salope.com. Chiante! Oui mais vous m'écoutez pas aussi hein. Oui bah crache-la ta merde. Oui bon, bah... Je me marie dans 2 jours. Ah bah super. Quoi? Avec qui? Où ça? C'est une blague. Qui c'est qui paye? Attention parce que Cocotte, regarde-moi bien, c'est pas moi qui paye. Mais non, c'est pas toi qui vas payer papa. Et en plus je le connais même pas, il s'appelle Jonathan, voilà. Tu le connais pas? La meilleure, celle-là. Oh, bravo, connasse. T'as dit non à Jean-Claude, mon meilleur pote, alors qu'il a une chaîne de resto, tout ça, et tu vas te marier avec le premier venu. Tu le connais même pas. Non mais papa, Jean-Claude, il a 78 ans, il lui reste plus qu'une seule dent, je vais pas me marier avec lui. Non mais t'as vu comment tu parles de ton grand-père? Et toi, t'as bien baisé avec maman, c'est pour ça que je suis là, je te signale, hein. Alors que c'était une pute. Eh ben justement, ben, je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, j'ai dû spermer de la merde, parce que putain, t'es une chiasse, hein. Mais t'as rien dans le crâne. Bah vous allez pas venir, du coup, vous allez pas venir au mariage. Bah si, je vais venir quand même, attends, t'es ma fille. Tiens, d'ailleurs, j'ai des alliances. Non mais vous avez vu comment vous êtes là? Vous me faites pitié, sérieux, en plus c'est la télé et tout. Moi je vous annonce un truc hyper important et voilà comment vous réagissez. Bah moi je viens pas, je t'aime pas donc ça m'arrange. Ça pue ici. C'est un véritable coup de massue pour Camille. Elle se retrouve démunie et toute seule. Mais bon, c'était quand même très drôle à voir. Rejetée comme une merde par sa famille, Camille décide d'aller choisir sa robe de mariée avec son meilleur ami Victor. Le choix de la robe, c'est un moment crucial pour la mariée, elle doit être soutenue. Moi, quand j'ai choisi la mienne, ma mère était présente. Elle n'a pas cette chance. Parce qu'elle est morte, sa mère. Monsieur, on n'est pas obligé de le dire. Dans un accident, c'est ça? Un accident de quoi? Ah là là, la voiture. Ah, j'ai vu les images, c'était horrible ce truc. Oh bah écoutez, Camille, c'est ma meilleure amie, hein. C'est son mariage, donc je me devais d'être là, et puis tout le monde l'a abandonné, donc c'était normal pour moi. Excusez-moi. Allô? Oh putain! Non, tu me déranges pas du tout! Non, 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 du tout, du tout! Ouais! Allô? T'en penses quoi? Oh mon dieu! Quoi? Je peux pas. C'est les grosses épaules, c'est ça? Ah, t'es laide! Oh, ah, j'ai des nausées, je suis pas bien du tout. Celle-là, je l'adore, regarde! Elle est trop belle! Quoi? Tu vas pas mettre ça? Tu l'aimes pas? C'est quoi? C'est Halloween? Elle me montre ses robes là, oui! Très bien. Mais regarde-moi, au moins t'as pas regardé. Demain je peux passer vers 14h. C'est très très cool, je viens de te dire. C'est vrai, t'aimes bien. 14h30 quoi. Bah du coup je prends, ouais. Ça va être super. C'est vraiment pas évident pour moi parce que je me sens pas du tout soutenue par les gens que j'aime. Mais bon voilà, j'essaie de penser au mariage, au plus beau jour de ma vie, et je garde le sourire malgré tout. Le jour du mariage est arrivé. Tout le monde est prêt pour vivre un moment fort en émotion. J'ai vraiment l'impression d'avoir été abandonnée par tout le monde. Voilà, ma famille sera pas là aujourd'hui. Il y aura que mon meilleur ami et deux de ses potes de la fac. Ouh, putain, je suis stressée. Alors, c'est l'heure, vraiment. On sait pas à peu près à quelle heure elle arrive. Pas bon signe, hein. Si elle prend autant de temps pour se faire jolie, c'est qu'il y a du boulot. Je plaisante. Je suis le pote de... comment elle s'appelle? Camille. Camille. Je me mets où? Là, coup. C'est cela, ouais. Ouais. Allez, on peut y aller. Let's go. Tu sais, le mec est chaud, quoi. On y va, non? Parce que je suis garant double fil, c'est pour ça. Le moment est venu pour Camille de rejoindre la salle du mariage. Alors, hop. Après plusieurs mois de recherches acharnées, nos experts ont peut-être réussi l'impossible, une compatibilité à 91,7%. Jonathan et Camille sont-ils faits l'un pour l'autre? Camille? Jonathan? C'est ma cousine? C'est mon cousin. Ah, oh, mais c'est Camille! Oui, c'est Camille. Oh, Camille! Ma petite.
embrasse. Ouais, ça c'est pas banal ça. Oh. Salut tata. Non, mais t'es belle. Mais c'est ma cousine en fait. D'accord, oui, non, oui, j'ai bien compris. Je me disais, mais plus j'ai vu la bagnole. Dehors, ça va. Salut tonton. Et tiens, tu redonneras ça à ton père. C'est bête, mais c'est un briquet qu'il aime bien. Ok, pas de soucis, il a pas voulu venir là. Ah. Oh. Ouais, il est pas trop pour. C'est pas grave, c'est un con ton père. Mais en quoi ça ralentit le processus? C'est pas interdit? Ah, ça je. Je m'en fous, moi, ça m'en regarde pas. C'est. Y a, ouais, vous aimez? Bah ouais, ouais. Voilà. On s'arrête là. Hein? Alors, mariage ou pas mariage? Bah oui, oui, mariage, oui, oui. Ça oui! Ça oui! Ça oui! Oui, je pense aussi. Hein. Ça serait con qu'il m'était déplacé. Donc on va faire ça vite fait, bien fait. Mettez-vous en position les jeunes, hein, au pas de course. Ah oh, bah je suis contente, hein. Bah pareil. Oh, Jonathan, voulez-vous épouser Camille ici présente? Oui, je le veux. Voilà, d'accord, bon. Camille, voulez-vous épouser Jonathan? Oui, ouais. Oui. Oui. Sûr? Je suis célibataire. Plaisante. Eh ben, vous pouvez galocher la mariée, hein, écoutez. Nos experts avaient vu juste. Jonathan et Camille étaient faits l'un pour l'autre. À la semaine prochaine pour découvrir un nouveau mariage. Yes! Yes! Ben, les images, vous les donnerez pour la mairie. She's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. Oh, la photo. Revenez la photo. Et vous n'allez pas partir sur la photo. Moi, j'ai toujours une photo. J'ai pris le Lumix. Comme ça, il y a tout le monde, je pense. J'oublie ça. Oh, putain. Puis ça, c'est... Ça vaut une fortune. Allez, tout le monde. Attention. Ouistiti. 3, 2, 1, Ouistiti. Le temps de pause est de 14 heures.